Eh bien, mes chers viewers, salut à toutes et à tous, salut tout le monde. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode, pour l'épisode 2 que j'ai attendu une bonne partie depuis hier soir. Pour l'épisode 2 de Diablo 4, on retrouve Ezreal pour continuer l'aventure. On est niveau 5 et du coup, on a appris la trahison de la part du village. Attention, spoiler, du petit village où nous sommes. Et on se retrouve du coup pour la suite du jeu. Village, attention, spoiler, du petit village où nous sommes. Et on se retrouve pour la suite du jeu. Donc, je vais attendre un petit peu. Pas trop longtemps quand même, mais un petit peu. Par contre, ce putain de téléphone, on va le mettre en vibreur, merci. Et on va pouvoir du coup reprendre. Cet excellent jeu, je ne connaissais pas, mais en tout cas, ça démarre très bien. Cet excellent jeu, je ne connaissais pas, mais en tout cas, ça démarre très bien. Alors, on va avoir des petits règlements de compte. Avec Israël. Donc on est là jusqu'à 21h. Des âmes perdues, tous et toutes. Il me faut plus de temps. Nickel. Tunique d'excursion. Par contre, on s'est bien fait niquer quand même. Tunique en peau. Alors ça, le livre des morts, j'avais vu, ça c'est niveau 15. Et c'est parti, on reprend épisode 2 de Diablo 4. Et c'est parti, on reprend épisode 2 de Diablo 4. Tuer les villageois éléments déments, pardon. Il est trop classe, Ezreal.
Il n'y en a plus d'autres. Par la volonté de la lumière. Joseph. Clé de la chapelle. Ah putain, c'était là. Ah oui, Joseph, c'était lui qui... Les nerfs du Maine. Ces hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines. Tout comme vous. J'ai D'accord. repris mes esprits et me suis enfui. J'ai essayé d'entrer dans la chapelle, mais elle était verrouillée et... Qu'est-ce donc ce maléfice ? Des pétales ? De sang ? Et... Ils ont dû me les faire ingurgiter. C'est un rituel blasphématoire. Qui le leur a enseigné ? La réponse se trouve peut-être dans la chapelle. Il la verrouille pour une bonne raison. La femme qui les menait possède sans doute la clé. Vanny. Très bien. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Par contre... Baguette magique. Non, on va pas acheter la clé. Jambière curative. Ah, stylé. Jambière d'excursion déterminée.
Ah oui, mais attends. Ah ouais, avec ça, j'ai deux esquives. Ouais, c'est ça, là j'en ai 5. Seules les flammes pourront purifier ce lieu des ténèbres. Allez voir à l'intérieur, mais hâtez-vous. Je vais préparer la torche. Non, là on peut pas passer encore. C'est encore le prologue. J'étais à la recherche du prêtre du village. Je voulais savoir pourquoi il n'envoyait plus la dîme. À l'approche du village, j'ai senti les ténèbres qui envahissaient les ruines. Je m'y suis rendu, et j'ai découvert la dépouille du prêtre. Des démons. Imbécile que je suis, j'ai été chercher refuge à Nevesk, et j'ai mangé de leur nourriture. Vous connaissez le reste.
j'étais à la recherche du prêtre du village. Salut mon petit Ben. Pourquoi il n'envoyait plus la dîme? À l'approche du village, j'ai senti les ténèbres qui envahissaient les ruines. Je m'y suis rendu et j'ai découvert la dépouille du prêtre. Des démons. Imbécile que je suis, j'ai été chercher refuge à Névesque. Merci et j'ai mangé beaucoup. De nourriture. Vous connaissez le reste. Alors, donc on est de retour, voilà, sur Diablo. L'histoire, ce que j'ai juste fait tout à l'heure, alors j'ai récupéré la clé. Il y avait la clé ici, là on pouvait pas l'ouvrir, mais voilà, j'ai récupéré la clé. Et en fait, l'espèce de perso donc, qui s'appelait Joseph, qui était dans la baraque, tu sais, qui était fou, il avait été en fait... bah, ensorcelé, empoisonné par les mêmes personnes qui nous avaient fait voir le truc, et je vais le montrer ce qu'il dit pour que tu vois. Donc il était devenu fou aussi, et quand il a repris conscience, il a tabassé les autres et il s'est barré. En gros, il a réussi à échapper au piège, quoi. J'étais à la recherche du prêtre du village. Je voulais savoir pourquoi il n'envoyait plus la dîme. À l'approche du village, j'ai senti les ténèbres qui envahissaient les ruines. Je m'y suis rendu et j'ai découvert la dépouille du prêtre. Des démons. Imbécile que je suis, j'ai été chercher refuge à Névesque et j'ai mangé de leur nourriture. Vous connaissez le reste. Voilà. Il n'était plus le même. Des pétales de sang, comme ceux qu'on m'a fait avaler. Est-ce que je rêve? Ah oui, puis notre paix Israël a germé aussi tout à l'heure. Attends, il y a un truc par contre. Je ne ferai pas ça en ville. J'étais à la recherche du prêtre du village. Je voulais savoir pourquoi il n'envoyait plus la dîme. À l'approche du village. Merde. Parce qu'on a vomi des pétales de sang tout à l'heure. Un petit peu, ouais. Là, ça doit être un flashback, je pense. Honte à vous. Notre père vous a ouvert la voie du salut. Et vous, votre seul but est de vous en écarter. Vous buvez et jouez. Vous convoitez et volez. Honte à vous. Ah, tiens, tiens. Il s'en est pour pécher. Mes enfants, les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Votre salut ne réside pas dans la lumière, mais en vous. La foi vous a appris à renier ce que votre cœur désire et vous a rendu prisonnier de vous-même. Brisez vos chaînes et découvrez votre véritable destinée. Brisez vos chaînes et fleurissez dans le péché.
D'accord, ok. Fanny, c'est moi. Je vous ai aidé à mettre au monde votre enfant. Fanny. C'est dark. Oh putain. Ils se sont éveillés, mais... Ce n'est que le début. Va dans les steppes arides et continue les préparatifs. Maintenant, notre véritable mission commence. Vous avez repris vos esprits grâce à la lumière. C'est chaud, putain, c'est trash. Ouais, donc ils étaient complètement... complètement endoctrinés. Et Vanny, du coup, c'était la fille qui nous avait demandé d'aller buter... le démon qui était... Ah bah, le truc du prêtre qui était... je crois que c'était le prêtre qu'il y avait en bas. Tu sais qu'on a été sauvés. Ah, et c'est... C'est trop bien, quoi. C'était le prêtre que je pense que tu t'en rappelles d'hier. Il y avait un prêtre dans au niveau de la grotte. Enfin, la sorte de grotte. Attends. J'étais à la recherche du prêtre du village. Voilà, là on remet plus dans le contexte. À l'approche du village, j'ai senti... Ouais, là, on comprend mieux pourquoi il dit ça, ouais. Je m'y suis rendu, et j'ai découvert la dépouille du prêtre. Des démons. Imbécile que je suis. J'ai été chercher refuge à Nevesque, et j'ai mangé de leur nourriture. Vous ouais, là on remet un peu plus dans le contexte. Vous vous êtes évanoui à l'intérieur. J'ai cru que l'obscurité vous avait englouti. Je vous ai tiré de là, avant de mettre le feu à ce lieu maudit. Que vous est-il arrivé là-bas? J'ai eu une vision. Une démone cornue. Elle disait que les seigneurs des enfers arrivaient. Elle voulait aider les gens à survivre. Les aider? Elle les a appelés ses enfants. Et ils l'ont accueillie comme... une mère. Mère? Non. C'est impossible! Je dois en informer la cathédrale. Écoutez, un ermite vit à l'est d'ici. Sa loyauté est discutable, mais il connaît des choses interdites. Il pourrait nous être utile. Amenez-le à la cathédrale de Kyovashad, et vous gagnerez la faveur de la lumière. Ok. Allez, je me suis... Ah, attends. Décomposition. Faut que je le débloque, ça aussi. Vous arrachez la chair d'une cible. Décomposition.
raffiné. Remboursement du rang. Point remboursé 5. Non. Ah oui, basique, ténèbres, canalisation. Là, il y a basique et ténèbres. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, ça, on verra. Caillou Vachad. Il aime s'entourer de savoir obscur. Faites bien attention. Et priez qu'il ne soit pas tombé sous l'emprise de Lilith, lui aussi. Ne l'appelez pas comme ça. C'est une démone. Lilith. Les textes sacrés disent qu'elle marchera parmi nous en se faisant passer pour la mère de sanctuaire. Si elle est vraiment ici, c'est le péché de l'humanité elle-même qui l'a fait venir. Eh ben on est parti. Des pièces. Ouais, ça respawn, hein, Ben, je te confirme. Hôtel de Lilith. Les hôtels de Lilith sont cachés à travers tout sanctuaire. Ils octroient des bonus permanents caractéristiques de tout personnage. C'est bien, ça. Dextérité augmentée de 2 pour tous les personnages. Oula, alors attends, j'ai pas saisi, là. Hôtel de Lilith, revendiqué. Titre de personnage. Alors attends, ça correspond à quoi? Alors attends, faut que je comprenne ça. Collection. Singularité de Lilith, récemment terminée. Par contre, je sais pas comment tu trouves ce que t'en penses, mais elle est classe, Lilith. Atteindre le niveau 50 en tant que barbare, déverrouiller deux nœuds par rangon. Aïe, c'est des défis, ça. Nécromancien. Ouais, bon, ça. Ramasser 1500 pièces d'or en moins de 30 secondes. Collecter 100 000 objets. Ouais, bah, c'est des sortes de succès, de trophées. Tuer 1000 bandits, tuer 5000, tuer 10 000, ouais. Les démons, les cannibales, les hommes boucles, les lycanthropes, les noirs. Monde ouvert. Visiter chaque région de sanctuaire. Ok, ouais, donc c'est un... Il est où le barque? Allez, viens, Coco! Bah, la mer. Non, la mer, c'est. Ah oui, d'accord!
Ah, parce que Lilith, c'est la mère. Enfin, elle se prétend pour la mère. Oh putain, un ours. Ours. Arctic Galvani. Épée courte, ouais, mais... Par contre, ouais, moi j'ai envie d'aller voir. Je sais pas ce que c'est que cette icône. Les caves sont de petites salles qui peuvent contenir un tas de choses. Ah, intéressant. Oh putain. Ah, carrément. Mais c'est énorme. Il y a des endroits souterrains, des caves et tout. C'est trop bien. Des caves transies. C'est génial. Ouh, c'est génial. En blague à part, oui, c'est énorme. Ah, par contre, faut bien que je pense à aller sur les pièces. Et je suis là jusqu'à 21h, Ben. D'ailleurs, on attend encore deux bonnes heures. Ça fait plaisir. Je me suis pas fait chier, pour ce soir ce sera pizza. La crête du rocher. Épée à deux mains. Oh putain, que j'ai bien fait de regarder. Les sanctuaires vous octroient différents bonus de courte durée lorsque vous interagissez avec eux. Bon, écoute, on va voir. Les armes divines servent. Trouver la grimoire des démons. Ah.
Ouais, donc ça, c'est des sanctuaires. Mais j'ai dû aller vers le... Si, j'étais passé par là, ça me dit quelque chose. Si, ça me dit quelque chose. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'un chemin à prendre. Mais je pense que le truc... Par contre, je peux pas utiliser ma baguette magique. Faudrait que je fasse du tri là-dedans. Ah bah écoute, je peux mettre un médaillon. ...4% de résistance à tous les éléments. Un grimoire. Mais moi je veux bien un grimoire, mais... Des bottes magiques plus 6. Hein. Tu connaissais le personnage de Lilith? Très bien. Des cuirs bruts. Ah, il y a des matériaux. Chaussures d'excursion. Ouais, mais... Ah, elles sont puissantes, les vagabondes délabrées, les bottes rares. Hein. Oh putain, j'aime pas ça, j'aime pas ce genre d'endroit.
Ok. Attends. Je veux juste aller voir un truc. Tunique en peau. Ce qu'il y a, c'est qu'on va y aller doucement aussi sur les équipements que je récupère parce que je suis pas non plus full. Enfin, je suis pas non plus illimité en termes d'emplacement, donc on va y aller doucement. Ah, putain. Il y avait deux emplacements. Là, il y a des thunes. Gants en peau. Ouais, j'en ai déjà. Je suis arrivé d'où? Oh putain. Je déteste les araignées. J'ai horreur de ça. Bien grasse, bien à point, prête à être frit. Et ben, je suis pas mécontente des collègues qui sont avec moi. Vous pouvez traverser les zones marquées. D'accord, ok, c'est des traversées. Ok, c'est plus ça le... Par contre, ouais, bien que je... J'ai besoin de temps pour faire ça. Ah, ok. Grimper. Saloperie d'araignée. Ok. Ok. Et là, en principe, on va pouvoir descendre. Ok, ok, ça marche. Ouais, c'est bien expliqué. T'imagines la taille de la map, quoi. Ouais, non, c'est... Le col de l'Est.
La map a l'air juste gigantesque. Récolte. Les herbes et les minerais peuvent être trouvés un peu partout dans le monde. Les artisans s'en servent à de nombreuses fins. Très bien. Une larme de pendu. Par contre, on va peut-être y aller. Je sais pas où ça va, mais... La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Merde, désolé les désolé les animaux. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Ok. Ouh, plein de pièces. Cabane de l'ermite. Ah, par contre, ça c'est bien parce qu'ils disent pas où elle est. On n'est pas assisté. Donc un soi-disant ermite. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Ah, mais justement, c'est ça qui est bien. On va le trouver, hein, l'ermite. Jambard d'excursion, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en avais déjà un. Non, c'est pas la même chose que... Je prends. Ah bon? C'est moins la tunique d'excursion harmonieuse. Ah ouais. Cabine balayée par les vents. Ah, elle est là. Ça en fait des pièces. T'as l'impression que ça fait beaucoup, mais bouteille vide.
Un assortiment hétéroclite de bouteilles vides. Certaines d'entre elles dégagent une forte odeur de liqueur. Il y avait des alcoolos. Ouais, non, des jambières. J'ai rien oublié. Bon, de toute façon, ça respawn, donc... Épée à deux mains. Ouais, bah ouais. Bah écoute, je prends, hein, ça fait surtout des pièces. Après le loot, ouais, je prends. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais devoir en jeter, à mon avis. Ça, bah, genre par exemple, j'en veux pas parce que ça vaut 1. Bouclier. Pff. 48, 91, 47, 35, 6. Tunique en peau. On balance. Les jambières en peau, 13. On balance. Ouais, par contre, le loot est intéressant, ouais. Alors, juste un truc. Main gauche, main droite. Ok. Eh ben allons dans la cabane. Oh putain, bah ouais, non, 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 non. Il y a quelqu'un ? Ça sent le passage secret, ça. Ce qui mijote là sent extrêmement mauvais. Mortier et pilon, des instruments de soins, ils ont servi il n'y a pas longtemps. Il se serait barré, l'ermite! Des herbes de champignons. Ouais, bah il va être encore possédé. Un mortier pilon, des jarres, une bouilloire. Ah, il préparait de la bouffe. Qu'est-ce que vous cachez là? Oh! Note sur le spé. Ses crocs sont courts. L'individu est jeune. Transformation récente. Une proie facile. Plus au sud que les autres. Ils se répandent. Ah, donc il y a une transformation. Ermite plus. Ouais, ouais, donc lui, il doit faire partie des bons, je pense.
Ça sent le boss. Non, c'est l'ermite, il va rien me faire, hein, tu vas rien me faire là. Si vous comptez vous introduire chez moi et fouiller dans mes affaires, ayez au moins la politesse de rester pour le repas. Ouais. J'ai une faim de loup. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remerciez ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Ah, d'accord. C'était du sang. Le sang d'une démon. Pas n'importe quel démon. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but ? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi ? Suis-je corrompu ? Je n'en suis pas encore sûr. Mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire ? M'en servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovashan. Si nous n'arrêtons pas Lilith, tout sera perdu. Après, je sais pas si dans Diablo il y aura plusieurs fins. Bah, après, c'est possible. Ouais, bah, j'avoue qu'il aurait pas dû boire le sang qu'on lui proposait et tout. Donc, je sais, par contre, j'ai eu la réponse à ma question, c'est que c'est Lilith qui a créé Sanctuaire. Et qu'on est lié à elle, je ne sais pas pourquoi, mais va falloir enquêter là-dessus. C'est classe, les musiques et tout, c'est bien mis en scène quand même. Vous avez bientôt terminé. Allez, on est qu'au prologue, voilà, c'est pour ça. Un piège a été couvert de sang séché, a-t-il été posé dans le but d'attraper un animal ou un humain ? Ah, attends, de toute façon, là, on risque rien. Accompagner Lorat à Kyovashad. Je vais prendre mon médicament, attends, j'arrive. Nickel. Heureux. Lily, elle est classe. Lily, elle est classe. Enfin, Lilith, plutôt.
Alors. L'orate. Mais je me méfie aussi maintenant parce que... Les jambières, ça, j'ai plus à... Filon de minerai. Alors ça, je sais. Ah, attends. Ah oui, non. J'ai besoin de temps pour faire ça. Fauchage tue instantanément les adversaires ayant moins de 5% de... Ça peut être utile, voilà. Par contre, ne s'applique pas. Vous ne pouvez choisir qu'une seule amélioration. Merde. Ouais, bon, ça, j'étais arrivé par là. Ok. Donc, on va remonter. Ah, les ennemis sont restés... Ouais, ok. Donc, ça, c'était ça. Donc, il faut aller par là. La croisée du père. Allez-y, venez. Il me faut plus de temps. Bâton en os, ça m'intéresse. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille. Ok. Des traces de griffes ont entamé l'inscription que la lumière du père Inarius. Tournez-vous vers son nec.
qu'elle vous accorde un nouveau souffle. Des trucs à remettre en... Attends, l'orate. L'ange Inarius, vous avez sûrement entendu la cathédrale de la lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré. Eh bien, il est réel. Un véritable ange est parmi nous. D'accord. Et quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. Et ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle. À moins que nous y mettions un terme. Inarius contre... Ne nous attardons pas. Kyovashad se trouve droit devant. De quoi la statue, tu crois ? La statue qu'il y a, tu crois que c'est une embuscade ? Enfin, tu parles de quoi quand tu parles que c'est une embuscade ? La glace. Il y aura pas de passage. Ah putain, si peu, ouais, mais... Non, il y aura pas de passage. Pourquoi je peux pas l'utiliser, le truc en bas ? Bâton magique. Ah, faut être druide. Ok. Bon, bah ça veut dire que ça va partir à la revente. À la revente, n'importe quoi, à la revente. Un crâne relique. -32. Non, mais je peux pas. Là, il serait peut-être temps de...
Ah, il épée courte jetée. Ah, si, j'en récupère là. Ok. Pourquoi j'ai ça là? Il y a un événement à proximité. Eh ben on va aller voir. Événement rejoint caravane assiégée. Ah, il y a des events. Attention. Merci, mais c'est pas encore fini. Oh, ça, c'est ça fait plaisir, ça. Oh, ça fait grande. Gagner des obols en terminant des événements. Dépenser des au cabinet des curiosités. Oh, ça, c'est bien, ça. Malotru fatal, titre de personnage. Je suis un malotru. Résumé 0. Terminer un événement mondial avec maîtrise. Visiter chaque région de sanctuaire. Afficher se terminer. Et je fais comment pour par exemple utiliser un titre? Des bottines. Par contre c'était un peu plus costaud là. Ah, les bottines évasives. 1% de chance d'esquiver, déverrouille une nouvelle apparence au recyclage. Ouais, mais il y a ça. Je gagne en dextérité. Je suis emmerdé parce qu'elles sont bien, ces bottes. Mais elle, 1% de chance d'esquiver. Non, je vais garder celle que j'ai.
Ok. Bandage d'excursion. Non, là, il peut pas monter, sinon ça me le dirait. Et merci pour le GG. Ça, j'y avais été là. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, on va redescendre. Les épées à deux mains, j'en ai suffisamment. De toute façon, les collègues, au bout d'un moment, ça va être un peu de la merde. J'étais passé par là. J'étais passé par là parce qu'il y a eu du dégât. Là, c'était la statue. Que la lumière du père Inarius. Tous les pèlerin fatigué de cette terre, ouais, tournez-vous vers son nec, qu'elle nous accorde un nouveau souffle. Sacré. Ah! Terre sacrée, exact. Que la lumière du Père Inarius, tous les pèlerins fatigués de cette terre sacrée, tournez-vous vers son nez. Qu'elle nous accorde, ou qu'elle vous accorde. Peu de loot. Bandage d'excursion. Des lames. Mais je le vois pas par contre l'autre inventaire. Bah, de toute façon, je suis encore dans le prologue là, donc je vais en apprendre au fur et à mesure. Corps de garde de Kyovashad. Ah là par contre je fais pas long. Je fais pas le poids. Halte là. Pour entrer dans la ville, vous devez d'abord. Nous n'avons pas le temps.
Aussi bien par le temps que par l'accueil. Kyovashad. Entrer dans Kyovashad, vous devez réaliser un rituel purificateur. Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous ? Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorat d'accomplir le rituel. Bien. Mais lui, là, il reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Prenez un morceau de Saint-Cèdre du Sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, lancez-le dans le brasero. Comme le feu qui consume le bois, la lumière consumera votre péché. On n'a pas le temps d'écouter vos... On n'a pas le temps d'écouter vos conneries. Bon, bah là... Là, par contre, moi, j'ai mon rituel à faire parce qu'évidemment, il ne me laisse pas passer. Gravé, peur sur le morceau de bois, gravé colère, gravé orgueil, avarice, ou griffonné n'importe quoi. Colère. La colère. Je sais pas pourquoi ça. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Bienvenue à Kyovashad. Da. Da, Kyovashad. Eh ben, je vais graver orgueil. L'orgueil. Je sais pas ce que ça fait. Je vais les faire toutes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense qu'il va se passer un... L'avarice. Je sens qu'il va... Il peut se passer un truc. Non. La colère. Ah non, non, non. C'est une perte de temps. Qu'avez-vous dit ? Ok. Ancien gars. Eh bien, un homme de son âge, je peux vous dire qu'il a vécu des périodes sombres. Il parle de l'oral, ça. Humeur exécrable. Eh bien, un homme de son âge, je peux vous dire qu'il a vécu des périodes sombres, d'où son humeur exécrable. Pièce manquante. Les quêtes prioritaires présentent...
ou déverrouille de nouveaux systèmes et de nouvelles fonctionnalités. Ah, d'accord, ok. Zlatka. Allez vous réchauffer autre part. Jetez-la en premier. Alors attends, ça c'est quoi? Quête secondaire. Ah, niveau 7 ou plus. On va faire un petit tour déjà, que je vois un petit peu le fonctionnement. Les autres se débloquent au niveau 25, ok. Se débloquent au niveau 20. Anneaux et amulettes. Ah, il y a des coffres, vestiaires, statues de niveau de monde. Relais non découvert. D'accord, on va faire un tour dans le... Brasco est... Brasero éteint. Un Brasero éteint depuis longtemps, froid touché, des mots ont été gravés maladroitement dans le métal rouillé. Inarius est un vieux bouc. Ok, donc là déjà, on peut pas passer. Et elles sont passées où, tes filles? Elles sont enfin parties rejoindre les chevaliers? Elles ont quitté Korvalar ce matin. Elles seront nourries, formées, tout ce que je ne peux pas leur offrir en somme. Et elles sont passées où, tes filles? Okay. Elles sont enfin parties rejoindre les chevaliers? Elles ont quitté Korvalar ce matin. Elles seront nourries, formées, tout ce que je ne peux pas leur offrir en somme. Cabinet de curiosité, Lisvette. Prends le pain et tais-toi, imbécile. C'est gratuit. Moi, j'ai pas besoin de la charité de ces salauds de la cathédrale. Alors attends, c'est quoi ça? Ce marchand louche vous offre une petite chance d'acquérir un objet de valeur en échange d'oboles chuchotants. Les oboles s'obtiennent en terminant des événements un peu partout dans le sanctuaire. D'accord. Bon, bah de toute façon, là, en l'occurrence, j'en ai pas assez. Une clé chuchotante servent à déverrouiller les coffres silencieux obtenus auprès des revendeurs de curiosités. Ok. Des fragments de murmures perdus. Eh ben ça, je vais en prendre. Ah, mais c'est une clé par coffre. En acheter 5. Ah non, j'en ai qu'une. À une prochaine fois. Ok. Ah mais ça doit servir que pour un coffre. J'adore la musique et tout le contexte. C'est vachement bien foutu quand même. C'est ça, mais bon, c'est un peu plus RP, on va dire, encore, qu'une clé universelle. De toute façon, là, on peut pas passer. Kyovashad. Ah, c'est vraiment extrêmement prenant, quoi. C'est génial. C'est mon premier Diablo, mais... C'est génial. Alchimiste, Veroka.
Vous ré... Oh putain, alors attends. Alors attends, alors là par contre ça va demander de... Améliorer une... Putain. Faut que je bouge la caméra. Améliorer une potion, potion de soins diluée. Fabriquer des élixirs. Raffiner les ressources. Je... Potion de soins, vous récupérez... Ouais, mais comment on la fabrique ? Moi, je veux bien, mais... C'est peut-être parce que je suis au max que je peux pas... Élixir. Matériaux d'artisanat. Une herbe utilisée dans la préparation des potions, d'élixirs et d'encens. Peut-être trouvée presque partout. Ouais, mais j'aimerais bien savoir... La bouilloire est chaude. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Fabriquer des élixirs. Élixirs barbelés, dis-le. Augmente l'armure de 50. Les dégâts d'épines de 25 et l'expérience obtenue de 5 pendant 30 minutes. Vous ne pouvez avoir qu'un des... Ah mais j'en ai un des... Ah d'accord, ok, ce que je ramasse. Raffiner les ressorts. Merde. Vous récupérez 48 points. Ouais, ben ça, niveau 10. Coût en matériaux, l'arme de pendu. Bah oui, pourtant, ça me le demande. Mais là, on ne demande pas de matériaux. Élixir, augmente l'armure de 50, les dégâts d'épines. De 25 à l'expérience, obtenu de 5. Ok, donc ça tout simplement. Raffiner les ressources. Matériaux d'artisanat, une herbe utile. Bon, pour le moment, de toute façon, j'ai rien à... Mais je vois pas le rapport avec... Équipé, comparé, jeté, déverrouillé. Non, bah l'alchimiste. Mais je pense que c'est parce que les potions, je suis au max. Nouveau jour, nouveau blessé. Vazan. J'ai trouvé un nouveau furoncle sur ma main. J'en suis à 17 maintenant. J'ai trouvé un nouveau furoncle sur ma main. J'en suis à 17 maintenant. Je fais mon curieux. Ah non, ça j'y étais là. J'y étais. Bah, j'avais pas ça. Salut mon petit Crony. Bah, carrément, ouais. Je découvre l'univers Diablo, pour tout te dire. Déblocage de relais. Activez le relais de Kyovashad. Rendez-vous au relais pour déverrouiller la possibilité de... Ok, mais bon, ça c'est... Parlez à l'oracle, le garde m'a laissé entrer. Donc, Kyovashad, je vais trouver. Bah, apparemment, c'est une toute nouvelle histoire. Ça n'empêchait pas, a priori, donc... Visiblement,
C'est tout à fait faisable. Alors peut-être que je ferai les autres à l'avenir, mais j'avoue que là, le mal est revenu, si tu veux, dans le monde et tout. Il y a Sanctuaire qui est devenu du coup une terre de guerre. Ah non, puis c'est bien prenant, quoi. C'est... Alors là, c'est pareil, c'est de l'exploration, quoi. Campagne. Mais j'avais pas vu ça. Quête 1 sur 1. Quête prioritaire, déblocage de relais. Puis c'est bien expliqué. J'ai jamais testé. J'ai vu qu'ils avaient fait un Diablo 2 en remaster. Mais... Ah ouais? Bah, j'avais pas fait attention. Faudra que je regarde en replay s'il y avait le truc à l'avant sur le côté, parce que le journal, j'avais pas du tout fait gaffe. Mais c'est super prenant, quoi. Et j'ai pris un nécromancien, du coup. Ouais, ouais. J'imagine. C'est quoi la... Une quête secondaire niveau 7 et plus. La milice de la cité recrute du 109 dans ses rangs. Eh ben on va aller voir ça. Mais le jeu est beau, hein, les graphismes et tout, c'est joli. Hein. Puisque je vous dis que mon voisin a été ensorcelé, je l'ai vu rôder près de chez moi, en train de marmonner je ne sais quoi. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec l'argent que vous lui devez, j'imagine. Bonne nuit, Benjamin. Non, bonne main, Benjamin. Bah franchement, en termes de gameplay et tout, ils ont fait un bon petit truc, hein, un bon petit, une bonne petite adaptation, parce que c'est, j'ai trouvé ça très intuitif, facile à retenir et tout, et c'est assez bien foutu, très honnêtement, en toute objectivité. Bonne main, nuit. Oh putain. Au début du mois nouveau, à l'aube, la mère supérieure prononcera serment pour célébrer l'avènement divin et souhaitera bonne année à Crony. Bonne année, Crony. Au début du mois nouveau, à l'aube, la mère supérieure prononcera serment. Père Inarius. Débloquer le relais. Alors, pas tout de suite. Autrefois membre prometteuse et dévouée des chevaliers de la pénitence. Et j'avoue que ouais, c'est très surprenant. C'est bien, ouais, c'est prenant, ouais. Autrefois membre et prometteuse et dévouée. Membre prometteuse et dévoué des chevaliers de la pénitence, l'hérétique d'Amelina a renié la lumière et vit désormais dans les ténèbres. Il est conseillé aux fidèles d'éviter le plateau Kilsik où elle a été vue pour la dernière fois. Ben, on va aller la voir. Bon, alors, je vais pas aller à la quête principale tout de suite. Par contre... quête prioritaire... Vagabondage. Je sais pas vers lequel aller. Ah, je pourrais pas me prononcer en tout cas sur les autres. Mais je suis d'accord avec toi. Puis le nécromancien, il a la classe, je trouve. Ouais. J'hésitais avec un druide.
Bon, après, il y a toujours des pour et des contre. Hein. Par contre, ça m'emmerde, c'est que mes soldats, là, si je m'en sépare, je pourrais pas les ramener tout de suite. Ok, le coffre. Acheter un onglet de coffre supplémentaire pour augmenter la capacité de 50 emplacements. Bah après, peut-être qu'il y a du contenu qui viendra avec le temps aussi, mais en tout cas, pour une découverte, c'est largement bien. Déposer. Il y a par contre des trucs que j'ai du mal à saisir. Par exemple, je ne sais pas si les armes s'usent ou pas, parce que je vois qu'il y a un truc durabilité, 100 sur 100. J'ai une baguette magique que je ne peux pas... Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que même en combat, ma durabilité reste, tu vois, durabilité 100. Et j'ai fait pas mal de combats quand même avec cette faux et elle est toujours à 100. Bah ouais, puis j'espère. Mais je comprends pas si tu veux par rapport à ça. Bon, de toute façon, j'ai une baguette. Là, c'est pareil, baguette d'apprenti exécutrice. Mais je n'ai pas de magie. Je sais pas trop ça par contre comment ça fonctionne. Ça, le crâne. Ah, ok. Le crâne, la baguette. Ah ouais, mais après ça va rester ici. Faudra que je retienne. Kyovashad, le crâne. Parce que je découvre en même temps les mécanismes aussi. Fou Adam. Le bâton, bah ça. Voilà. Les vêtements, tout ça, je vais quand même me garder des épées. Mais je comprends pas la durabilité qui ne varie pas, sachant que j'utilise. J'ai pas saisi ça. C'est quoi ça? Un bâton en os exécuteur. Ça, je peux pas. Bah, c'est pour un druide. Donc ça ne va pas me servir. Le grimoire des démons. Ça, je le stocke. Bah ouais, mais c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi ça ne s'use pas. Bah ouais. Mais j'espère justement que c'est effectivement ça. Parce qu'ils sont tous à fond en durabilité. Et... je vais stocker des armes. Dégâts par seconde. Épée à deux mains, je vais me stocker cet exemplaire. Moins 30. Parce que c'est pareil, tu vois, épée courte, 26 de dégâts, puissance de l'objet 43. Là, je vais sur celle. Ah ouais, non, ça c'est une épée courte exécutrice. Là, épée courte, puissance de l'objet 72. Je peux pas encore te dire, je sais pas. Et 34 de dégâts. Deux épées courtes avec des caractéristiques différentes. Je ne comprends pas en fait la différence. Bon, à part que t'as des épées qui font plus de dégâts que d'autres. Puissance de l'objet 43. Puissance de l'objet 72. Et 34 dégâts par seconde. Bon bah je vais stocker celle-là. Ah d'accord. Donc ça varie par rapport... Ouais, c'est random. Ok. Bouclier. C'est
C'est-à-dire que chaque équipement n'a pas la même... même si c'est le même type, ça n'a pas la même... les mêmes chiffres. Une faux simple, 30 dégâts. Bon, de toute façon, je vais aller revendre des trucs. Ouais, mais ça, justement, c'est bien que ce soit pas entre guillemets, pour tous les objets, la même chose. J'aime beaucoup ce principe. Bâton en os exécuteur, je vais le revendre. Mais... bah, je connais pas assez, en fait, je découvre. Je découvre complètement, et donc c'est vrai que tu vois, même Ben, ça t'a peut-être fait marrer ou quoi. Je découvre des trucs dans le jeu, je dis putain, c'est trop bien, mais alors que si ça se trouve, ça existe depuis toujours. Le manque d'expérience. Une faux. Putain, 479 la faux. Ah oui, mais c'est un truc à une main. Ah non, à deux mains. Soit 55, 88. Bon, je vais mettre une faux de côté. Ouais, puis bon, c'est... mais j'avais jamais fait de hack and slash et c'est vrai que... ouais, mais justement... c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore justement. Les jambards d'exécution. Écoute, je vais garder ça. Un bouclier. Bouclier, je vais le garder sur moi. Là, les bottines. Je vais garder une bottine. Voilà, je vais... ça, on va vendre. Ça, tout ça. Non, même pas. Même pas parce que... Kappa. Parce que... j'ai découvert ça, si tu veux, aussi, il n'y a pas longtemps. Je savais qu'on pouvait. Il y a vraiment pas longtemps et j'ai voulu tester. Écoute, je vais garder ça. Je pense que je peux pas utiliser la magie. Je sais pas pourquoi. Ça n'est pas que c'est pour un druide ou quoi, mais je peux pas l'utiliser. Donc, je le garde au cas où. Vous pouvez modifier l'apparence et teinture de chaque objet. Ah non, ça je veux pas changer. Stèle. Qu'est-ce qu'une stèle? Pardon, mais... maquillage, tout ça. Non, non, je veux pas changer. Armure. Armure, elle est très bien. D'accord. De toute façon, pour le moment, je peux pas faire grand chose. Ben, je vais m'asseoir, tiens. C'est quoi cette gemme là? Une joaillerie niveau 20. Ok. Démis en un oculiste niveau 25. Statut de niveau de monde. Parce que ce que je fiche pas, ils te mettent quête prioritaire, pic brisé, déblocage de relais. Et ils vont travailler aussi, pipi, ils peuvent même avoir des gosses. Mais le truc, c'est que si je m'en sépare,
Il va falloir que je les fasse revivre et donc que je tue 5 bordels pour... Donc je comprends pas la différence entre une... Entre... Parler à Lorat, ça fait partie de la campagne principale, et à côté, quête prioritaire, il y a encore autre chose, déblocage de relais. C'est deux trucs à faire dans la quête principale, je pense. Bah, les quêtes secondaires, elles sont là, d'ailleurs, je vais aller voir. La milice de la cité recrute du 109 dans ses rangs. Vilek. Qu'est-il arrivé à vos yeux? Teia, ce satané serpent, les porte en pendentif. Maudite soit-elle! Fussent-elles brûlées pour tout ce dont j'ai dû être témoin? Ou simplement un objectif. Ouais, c'est peut-être un ensemble de quêtes prio qui constitue un chapitre. Teia, ce satané serpent, les porte en pendentif. Maudite soit-elle. Fussent-elles brûlées pour tout ce dont j'ai dû être témoin? Ah, sympa, il porte des yeux en pendentif. Une phrase est gravée dans le bois. Que ceci soit la première étape du périple qui vous conduira à la lumière. J'ai juste volé une pomme. Le père ne voudrait pas que je meure de faim, pas vrai? Qu'on lui coupe la tête à ce vieux. J'ai juste volé une pomme. Oui, on sait que t'as volé une pomme. Faim, pas vrai? Et ça... Allez, allez! Faut que vous donniez combien de coups dans le vide avant de réussir à toucher vos cibles? Si au moins j'avais déjà des flèches! Allez, allez! Faut que vous donniez combien de coups dans le vide avant de réussir à toucher vos cibles? Je pense que je vais m'en séparer pour le moment des squelettes, parce que... Ah, quoi que je sais pas... Ça m'emmerde de m'en séparer, là. Il me pollue un peu, là, mais... Ah, mais attends, je suis pas allé voir, là, au niveau de... De la forge et tout, à l'armurerie, là. Bah, parce que ils sont un peu nombreux dans le village. Après, ils sont très utiles, mais... Rémi, lui. Puisque je vous dis que mon voisin a été ensorcelé, je l'ai vu rôder près de chez moi, en train de marmonner je ne sais quoi. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec l'argent que vous lui devez, j'imagine. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est utile. Les jours sombres nous attendent. Vous avez besoin d'une bonne arme. Alors, vendre. Les Sims sont vacants. Alors, c'est quoi ce symbole qu'il y a en haut à droite de chaque truc? Bah écoute, déjà, je vais vendre cette merde. Voilà. Les bottines, les bottines évasives. Et qu'est-ce qu'il raconte comme conneries?
Bah ça, je vais le vendre parce que c'est pour les druides. Donc je ne suis pas druide, donc ça ne me sert à rien. Épée courte exécute. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, non, ça c'est mon équipement, donc... les jambières, ça c'est ce que je porte, donc non, on va éviter de le vendre. Ça c'est ce que j'ai. Bottine évasive, j'ai ça. Donc... C'est gros. Faut s'intéresser. Autre chose? Non, ça c'est à moi. Ah non. ...87... ...41... Allez, ça dégage. 75... puissance de l'objet. Allez, au revoir, merci. 89... Voilà, merci. Que ça, c'est 81, non, 87. Belle affaire. Oh, ta gueule, Ozren. Ça, les épées courtes. Je sais... Bandage. 80... Ah putain, mais ça faut que je le change. Voilà. Plus 8 en dextérité. Ah ouais, mais par contre j'ai... Je perds en dextérité. 33. 25. Ah ouais. Je perds en dextérité. Mais je gagne en... Un coup critique, 1,5%. Ouais, je gagne en armure. Non, je vais le garder. Les bottines. 1% de chance d'esquiver. Non, ça, je vais les garder. Par contre, ces chiottes, là, on va aller. Les... J'en étais sûr. Un échange équitable. Ah, le con. Plus 7 en dextérité, plus 1 en dégâts physiques. Ah, dégâts physiques, 1 en plus. Un échange équitable. Avec un bon gros fouet. Les jambières. Oh. Honorez le père. Le père escroc. C'est le... Non, ça, ça m'intéresse absolument pas. Bon vent et bonne fortune. Les meilleures armures des piques. Mais ça, je les ai, les... Que le père vous garde. C'est le père Louze. Zivek. Alors attends, recyclage. Le recyclage permet de transformer les objets de matériaux en matériaux d'artisanat et de déverrouiller leur apparence dans le vestiaire. Eh ben on va faire
Donc attends, que je comprenne un petit peu le truc. Recycler selon la qualité de l'objet. Les petites bottines de salope. Alors j'ai pas de Camelot. À réparer. Mais je veux bien m'en réparer les objets, mais ils sont tous à fond. Attends, 91, 46. Annuler la réparation. Et je ne peux pas là, directement dans l'inventaire. Recycler. Bah la Camelot, j'ai pas mis d'objet en Camelot. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, je me suis équipé. Non, non, je veux pas mettre des petites bottines de salope. Voilà. Apparence, déverrouille une nouvelle apparence au recyclage. Ah bah là déjà je préfère le truc qui est fait comme ça. Mais je comprends pas le... Recycler ça. Marqué comme Camelot. Les petites bottines de salope, on va en faire de la Camelot. Que le Père vous bénisse. De quoi avez-vous besoin? Vous recyclez un objet, ce qui va le détruire, ok, et vous débloquez son apparence pour que vous puissiez l'appliquer à un autre objet du même type. Appliquer une apparence. Ah, mais les caractéristiques ne changent pas. Vous n'avez aucun objet marqué comme Camelot à recycler. Et je viens de le faire. Bon, je vais essayer avec le bouclier. Genre, si un jour vous avez un stuff dont vous aimez bien le skin, mais que les stats sont pourries. D'accord, ok, ouais, c'est juste. Bordax, excursion à droite. Cette action détruira. De façon définitive, tous les objets marqués comme Camelot de votre inventaire. Ça, c'est un bon recyclage. Allez au vestiaire pour l'inspecter. Ah bah le vestiaire. De quoi avez-vous besoin? Tous les objets ordinaires, non? On va aller essayer. Allez où la map? Ok. Apparence, non, c'est pas ça. Changer d'emplacement. Bah mais je vois pas là où
Je vois pas ce que ça a fait en fait, le truc là. Chaque emplacement d'objet possède un état par défaut et un état non équipé. Je n'ai pas saisi là. Recycler des objets pour découvrir de nouvelles tenues. Je n'ai pas tout saisi. Tenue par défaut. Ça ne fait rien. Le skin normal de votre arme. Ça veut dire que je prenne à n'importe quelle autre arme et je peux mettre le skin de la fou. Même si par exemple c'est une baguette magique, je dis n'importe quoi, je peux mettre le skin de la fou. Bah c'est complètement con parce que ça va porter à confusion. Ah oui d'accord, ouais, pas d'autres types. Que tu vois là, la couleur est différente. Je démarre avec des bandages et un fond gris. Quand je change d'emplacement et que je reviens de bas, t'as vu, elle passe en violet. Bon, après, c'est que du skin et tout pour le moment, c'est pas la priorité quoi. Là, tu vois, ça passe en violet aussi. Mais je comprends pas ça pour moi. Et là, ça repasse en normal. Bon, j'ai pas assez dit, faudra que. Au pire, faudra que tu m'expliques. C'est pas tous les jours qu'on voit de fidèles croyants avec une telle descente. Mais bon, je peux les comprendre. C'est pas tous les jours qu'on voit de fidèles croyants avec une telle descente. Bah, cette espèce de skin. En fait, je vois pas la différence dans le vestiaire par rapport au. Attends, je vais faire le test avec autre chose. Par rapport au skin que tu peux changer, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Recycler. Bon, je vais tenter, par exemple.
Actuellement, ça n'en est pas parce que vous n'avez qu'une seule sorte de faux. Eh bah, ben, les épées, justement. Bah, je vais voir, j'ai une épée courte. Épée magique, épée magique. L'épée courte focalisée. Ouais, par exemple, si j'ai, admettons, j'ai une faux avec... Je dis n'importe quoi, avec le milieu qui est fendu en deux ou avec une flamme dessinée dessus. Sur la faux de base qui n'a pas de flamme dessinée dessus, je pourrais mettre ce skin là. Bah, ça sert à quoi en fait? À part changer l'image, ça sert pas à grand chose. Besoin de forger quelque chose? Ah oui, attends, d'accord. À habiller mon perso que je verrai quand il va se déplacer. Parce que là, je suis en violet actuellement. Ah, attends, je vais tester. Ça comme Camelot, de toute façon, on s'en fout. Ah ouais, en fait, ça sert. Quand tu détruis un objet, ça fait des copies de skin pour le mettre. Vous pouvez prendre ce qu'il reste. D'accord. Là par contre j'ai que la faux. Ah, parce que je suis équipé de la faux peut-être. Ouais, c'est ce que j'étais en train de... D'accord. Mais par contre en termes de caractéristiques, je garderai la même. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, si, c'est pas mal. Ah si, c'est pas mal. D'accord, ouais, si, c'est cool. Puissance de l'objet, 70. Ouais, ouais, ça y est, j'ai compris le principe. Ouais, c'est vrai que ça peut être... Il y a moyen de faire des bons petits trucs. Si vous chopez une arme avec des super stats, mais ultra moche, vous pouvez le changer, quoi. D'accord, par contre, ça changera pas les stats. Je vais voir, par exemple, je fais... Ah ouais, ouais, là j'ai bien l'épée. Ok, merci pour l'explication. Vous pouvez activer ou désactiver les emplacements de transmogrification en sélectionnant un objet. Ouais, bon, ça, je sais pas ce que c'est. Par contre... D'accord. D'accord, c'est que là, comme j'ai pas d'autres trucs en bas, je peux pas le modifier. Par contre, ça fait pas très classe, violet et jaune. Donc, fais voir si je fais ça. Puissance. Tac, tac. Ah bah voilà, on peut changer les couleurs.
Ok, bah il suffisait d'essayer en fait, il suffisait de le savoir aussi. Je vais voir si par exemple je mets ça. Ok. Et ouais, puissance de l'objet. D'accord, ok, c'est pas le même dessin, mais c'est la même chose, ouais. Ouais, si, il y a moyen de faire des bombes, ce qui ouvre en fait à faire plusieurs bons petits combos sympas, quoi. Ah oui, le logo. Soit je prends l'original. D'accord, bah c'est stylé, remarque. Pas de soucis, Ben. Bah écoute, merci à toi. Demain, dans tous les cas, vers 17h, je vais continuer. 17h, 17h30. Bonne guêpe, hein, chef. Oh putain. Bah de rien, merci à toi d'être passé. Donc bah demain je vais faire une soirée Diablo d'ailleurs. Vu qu'après je vais pas pouvoir streamer ce week-end. Demain soir, soirée Diablo, si t'es là, je continuerai demain. Rashka l'aubergiste. Bah, va falloir que j'aille, mais il est là, j'en ai 5. Jean-Pierre, putain. Oh non. Non, je ne peux pas accepter. C'est de la merde. Quand on décongèle de la merde, on décongèle de la merde. Je n'étais pas croyante et puis j'ai assisté à un miracle. Inarius en personne a touché un éclopé de sa lumière. Le gaz s'est levé et a marché pour la première fois depuis des années, comme ça, sous mes yeux. La lumière existe, mon ami. Laissez-la vous envelopper. Oh, je n'imagine pas, là. Jean-Pierre, Jean-Robert. C'est la bande des squelettes. Impossible de ne pas en avoir entendu parler. La grande guerre contre le mal. Le jour où Inarius nous emmènera toutes et tous aux cieux avec lui. Oh, j'espère que je pourrai emmener mon chat avec moi. C'est bien un truc de meuf, ça. Jour et nuit, ils affluent à Kyovashad. Des gens polis, et qui payent toujours comptant. Pas comme certains spécimens du coin. Merci l'aubergiste. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. C'est pas tous les jours qu'on voit de fidèles croyants avec une telle descente. Mais bon, je peux les comprendre. La forge, donc ça c'est fait. L'armurerie, ça c'est fait. Ça c'est fait. Fais voir la quête secondaire. Garde Boza. Prêtresse Zelka. Des siècles durant. Les enfers eux-mêmes ont gardé Père Inarius emprisonné. Mais ils ne sont pas parvenus à le briser. Il s'est débarrassé de ses chaînes infernales et est revenu à nous. Et ça manque de squelette, hein, le con. Il guidera les fidèles sur le chemin de la rédemption. Ça
Ça marche, Crony. Bah, moi, de toute façon, je vais pas tarder. Merci à toi aussi. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs. Et bah, écoute, peut-être, bah, je verrai quand tu seras là. Mais demain, je me fais une bonne petite soirée Diablo. Donc, ah, quand tu peux, tu seras toujours le bienvenu, comme vous le savez, monsieur. Il faudrait quand même dire au revoir à Robert, Jean, Pierre, Jean-Pierre et Jean-Robert. C'est important. Ouais, bah t'inquiète. Cathédrale de lumière, niveau 7. Déblocage de relais. Rendez-vous au relais pour déverrouiller la possibilité de voyager rapidement à travers le sanctuaire. Je vais aller le faire, ça. Relais. Statut de niveau de monde. D'accord, ok. Changer de niveau de monde à la statue de Kyovasha. Déverrouiller le niveau supérieur en terminant les donjons de pierre de lune. Donc là, de toute façon, je ne peux toujours pas. Déverrouiller en terminant la campagne et le donjon de pierre. Ok. Ok, 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 ok. Ah, ça marche. Le relais vous permet de voyager rapidement et librement dans le sanctuaire. Activez les relais. Ouais, c'est des voyages rapides, quoi. Vous pouvez gagner la renommée en accomplissant. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est bon. C'est trop génial, quoi. C'est trop, trop bien. Renommé. Qu'est-ce que c'est que ça? Kyovashad. J'aimerais bien passer niveau 8. Froid de canard. Mais au moins on est en sécurité. De l'autre côté de ces murs, il n'y a que les ténèbres. Les nouvelles recrues de la milice s'entraînent nuit et jour. Elles méritent bien quelques éloges, mais je ne voudrais pas passer pour une sentimentale. Vous pourriez aller les encourager. De l'argent facile pour vous, un surplus de confiance pour les recrues. Et moi, je reste la dure à cuire. Tout le monde y gagne. Je m'en charge. Ah oui, putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bien. Bonjour.
C'était plutôt bien. Ouais, c'est pour apprendre. Bien joué. Ok, ouais, c'est pour apprendre un petit peu. Merci. Ah bah ça, là... Impressionnant. Merci. Bon, faudrait pas non plus qu'il s'y habitue. C'est bon ça! Vous avez atteint le niveau 8! Ah, ok. Ok. Porteur de vous. Le montant des dégâts des primes que les défenseurs héritent de vous. Aux chances d'infliger un coup critique, mais vous ne pouvez plus ramener de guerriers squelettes à la vie. Porteur de bouclier résistant bénéficiant de 15 points. Bon ben voilà, pour aujourd'hui. Quelle froide canard. Mais au moins on est en sécurité. De l'autre côté de ces murs,
Il n'y a que les ténèbres. Allez, allez! Vous vous donniez combien de coups dans le vide avant de réussir à toucher vos cibles? Je ne peux pas faire ça ici. Bon ben voilà mes chers viewers, on va se quitter pour aujourd'hui, c'était bien bien cool, demain une grosse soirée Diablo 4 avec Ezrael, niveau 8. Nous sommes actuellement à Kyovashad, c'était pour l'épisode 2. Ah ouais, si, c'est bon. C'est trop bien. Avec Ezrael, qui est rendu niveau 8. Notre nécromancien. Ça peut être intéressant, maintenant, faut étudier tout ça. Donc voilà mes chers viewers, bah écoutez, je vais vous dire du coup... Eh ben, à demain soir pour la grosse soirée Diablo 4. D'ici là, passez tous une excellente soirée. Merci à Crony et merci à Ben d'être passé tout à l'heure. Et rendez-vous demain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Et merci encore. Très bonne soirée à tous. Ezrael vous salue dignement.